Gérald. Que se passe-t-il? Rien pour le moment, mais j'ai un pressentiment. Philippa et Margarita veulent me parler. À quel sujet? Elles ne m'ont rien dit, mais j'ai ma petite idée. Je suis sûre qu'elles veulent m'informer des grands projets qu'elles ont pour moi. C'est une conversation que tu n'éviteras pas, mais je peux t'accompagner si tu veux. Oui. Avec toi à mes côtés, elles seront plus prudentes. Je n'en suis pas si sûr, mais deux têtes valent mieux qu'une. Allons-y, inutile d'attendre. Vous vouliez me parler? À toi, oui. Pas à Gérald. Gérald reste, ou je m'en vais. C'est sans importance, Phil. Il l'apprendra, de toute façon. Très bien. Tant qu'il ne m'interrompt pas. Faites comme si je n'étais pas là. La loge avait autrefois de grands projets pour toi, Cyril. J'imagine que tu n'as pas oublié. Une fois tes études terminées, tu devais rejoindre nos rangs. Hélas, les choses ont mal tourné. Nous avons l'intention de reformer la loge. Et nous renouvelons notre proposition. Rejoins-nous. La pauvre Kera n'est malheureusement plus de ce monde. Mais les circonstances nous interdisent de porter le deuil. Que décides-tu? Rejoindras-tu nos rangs? Quoi? Pour épouser un prince et devenir votre marionnette, comme avant? Tu n'étais qu'une enfant, Ciri, et nous avons mal jugé la situation. Cette fois, nous te proposons une alliance. Trêve de faux-semblants. Une magicienne avisée s'est trouvée la place la mieux adaptée à ses capacités. Et toi seule, Ciri, mérites d'être à notre tête. Tu as une grande destinée à accomplir, Ciri. Et avec nous à tes côtés, tu ne peux que réussir. Nous pouvons t'apprendre à contrôler ton pouvoir, à canaliser... Mais j'ai déjà Avalar pour ça. Ah, et tu acceptes ça, Gérald? Tu crois vraiment que ses intentions sont pures? Certainement plus pure que les tiennes. Les sages ont toujours des secrets bien enfouis. L'altruisme n'est pas dans leur nature. Tu n'es qu'un outil entre ses mains, même si tu l'ignores. Nous pouvons t'assurer savoir et protection, mais tu resteras seule maîtresse de ton destin. C'est bien plus que ne peut te promettre Avalar. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Réfléchis à notre proposition et reviens nous voir quand tu seras prête. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter... Rallions Skellige pour trouver la pierre de soleil. Avalar nous attend au port. Alors? Je ne sais pas... Je n'ai pas envie d'en parler. Je vais aller prendre l'air. Je crois que je vais me reposer un peu. Bonne idée. Dors bien, Gérald. Gérald! Gérald! Réveille-toi. Hein? Quoi? Yen, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, Gérald. Triss? Qu'est-ce que tu fais là? On voudrait te parler. Vous me cachez quelque chose. Que se passe-t-il? Détends-toi, Gérald. Yen et moi, nous avons eu une longue discussion. Nous avons perdu trop de temps à nous battre, pour toi. Nous allons bientôt devoir affronter la chasse sauvage.
Peut-être Eredin lui-même. Et qui sait ce qui pourrait arriver. Nous avons donc décidé de profiter pleinement du temps qui nous reste. Ensemble. Ensemble? Au lieu de nous battre, pourquoi ne pas profiter de ce que nous avons? Nous t'avons préparé une surprise. Viens au Martin Pêcheur ce soir. Apporte du vin. Beaucoup de vin. À plus tard, mon amour. Vivement ce soir. Ça promet d'être intéressant. Arrivé à Foltest déjà.